À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est censé être une journée bon plan où je dois vous partager plein de bons plans. Et finalement, ça se transforme un petit peu en règlement de compte. Mais je pense que c'est important que je prenne la parole, même si je vous ai fait des stories. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être clarifiées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout au courant de cette histoire et qui la découvrent à peine à travers mes réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui ont vu pas mal de choses tourner où en fait l'ex de mon compagnon actuel se rend de plateau en plateau chez les blogueurs dont Samzira, dont Nabil pour venir raconter sa version. C'est pour ça que moi, je me sens un petit peu obligée d'éclaircir certains points, mais surtout rétablir la vérité. Vous savez que j'ai eu pas mal d'histoires ces derniers temps, j'ai perdu mon snap et c'est vrai que j'ai gardé énormément de choses pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé pourquoi et qui se sont peut-être même dit si elles s'expriment pas, c'est que ce qu'on dit d'elles, c'est vrai. Je ne veux pas du tout à certaines personnes d'avoir pu penser ça, mais c'est vrai que le fait que je m'exprime pas, et ben du coup ça laisse place à beaucoup de doutes et finalement et ben il y a des gens qui se font leurs propres réponses. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de passer par des blogueurs pour régler mes comptes ou pour m'exprimer. Donc c'est pour ça que je vais le faire. Je vais le faire comme une femme et je pense qu'il est temps que chacun assume ses parts de responsabilité dans cette histoire. Comme vous avez pu le lire, mon histoire, elle a très très mal commencé. Elle a commencé sur des mensonges, sur une histoire similaire que j'ai pu vivre avec Mujdat. Et c'est vrai que je vois beaucoup de commentaires où les gens ils me disent, mais Mila, t'apprends pas. Ben, en fait, non, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est célibataire, je ne fais pas partie du FBI pour vérifier. Dès lors où la personne, elle vit seule, qu'elle est tout le temps avec moi, en fait, je ne vois pas comment je peux savoir qu'il y a une femme planquée sous le lit. Pas à débattre sur le fait qu'il s'y soit très mal pris, qu'il ait mal fait les choses, qu'il lui ait menti à elle, qu'il m'ait menti à moi. Même s'il m'a expliqué certaines choses par la suite, je ne suis pas en train de lui trouver des excuses. Voilà, sur ça, il n'y a rien qui peut justifier sa lâcheté, il a mal fait les choses. En gros, l'histoire, c'est quoi? Je rencontre un homme qui me dit qu'il est célibataire. Moi, je le crois. Plus tard, je découvre que c'est pas vrai. Le jour où je le découvre, je coupe les ponts avec lui, je me range directement du côté de la femme parce que je veux pas vivre ce que j'ai déjà vécu. Je me dis super, mais je date numéro 2. Entre-temps, moi, je le bloque. Je veux plus du tout entendre parler de lui, peu importe les sentiments que j'avais, etc. Hors de question de m'engager dans une histoire comme celle-ci. Avec sa femme, à ce moment-là, l'échange se passe super bien. Voilà, elle se rend bien compte que moi, je suis pas du tout au courant même de qui elle est. Chez lui, il n'y a aucune affaire, il n'y a rien qui pouvait me laisser penser qu'il était avec quelqu'un. Pour moi, quand je l'ai rencontré, il était divorcé. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle, elle ne vit pas du tout à Dubaï, mais à partir de là, je ne me pose pas de questions. Je suis tellement choquée de tout ce que j'entends que je ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment. Elle est bloquée, elle m'a dit des choses, maintenant on se sait, chacun fait sa vie. 4 jours après, elle vient m'écrire en m'insultant, en me menaçant. Toutes les preuves, parce que moi, je parle pas pour rien, et franchement, quand je vous dis que j'étais choquée, j'étais, mais genre, vraiment choquée. Je me dis, attends, donc moi déjà, j'ai rien fait dans l'histoire, c'est-à-dire que je sors avec un mec qui me dit qu'il est célibataire, je vois pas où je suis fautive. Au final, quand j'apprends que c'est pas le cas, tout de suite, je le bloque. Elle, genre, je parle avec elle et tout. Et au final, 4 jours après, elle vient me menacer et m'insulter. Je me dis, mais c'est une blague. L'histoire, elle aurait été complètement différente si, par exemple, je l'avais fréquentée en sachant qu'il était marié. Là, elle aurait été dans son droit de m'insulter, etc. Elle me menace en disant qu'elle va aller voir des blogueurs, qu'elle va ruiner ma réputation. Et moi, je me dis, mais wesh, genre, mais déjà, tu vas aller voir des blogueurs pour leur dire quoi? Que ton mari, il a été infidèle et que moi, je ne le savais pas. Franchement, vous n'avez pas vu les messages. Mais bref, admettons qu'elle puisse être énervée. Mais elle n'a pas à être énervée contre moi. Je suis choquée, je vois qu'elle commence à me parler de blogueurs, etc. Je finis par la bloquer. Sauf que moi, qu'est-ce qui me reste à ce moment-là? Quel est le seul lien que j'ai dans toute cette histoire? C'est son mari. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le débloque en lui envoyant les captures d'écran de la conversation et en lui disant, par contre, maintenant, il faut arrêter de me mêler à toutes vos histoires, votre dinguerie, là, faut me laisser tranquille. Puis, il en profite pour s'excuser, etc. Mais moi, je ne veux plus rien entendre. C'est-à-dire que à ce moment-là, chacun fait sa vie, on ne se parle plus, il ne me parle plus, je ne lui parle plus. De temps en temps, vers 4 heures du matin, il m'envoyait genre un message ou deux, j'y répondais pas. Déjà parce qu'il m'avait blessée et surtout parce que monsieur n'était pas célibataire. À ce moment-là, j'ai eu très mal. Je prenais énormément sur moi, mais j'ai eu très mal. Entre-temps, je pars en tournage, ça se passe super mal. Bref, chacun fait sa vie, je sors, j'essaye de l'oublier. En gros, je me fais une raison. Je pars en vacances à Marbella chez ma cousine Betty. J'avais des amis en commun, il y a des candidats de télé qui savaient qu'il était à Marbella, mais c'est pas parce que monsieur était à Marbella que j'allais m'empêcher d'aller à Marbella. Franchement,
Franchement, j'ai l'impression que je suis en train de vous faire une story time à la YouTube. Donc j'espère que vous avez du thé puisque c'est loin d'être fini. Je suis à Marbella avec ma cousine Betty. On sort un soir, deux soirs, trois soirs, bref, les vacances. Je tiens quand même à clarifier, à préciser qu'il ne m'envoie plus aucun message. Je ne lui en envoie aucun. C'est pas en mode « Ah, je suis à Marbella, t'es où ?» Non mais pas du tout, genre. Pas du tout. Pas parce qu'elle m'avait mal parlé, que je l'avais bloqué et qu'à lui, je lui avais demandé d'arrêter, qu'en gros, ça m'avait donné le droit de pouvoir parler avec, de me remettre avec. Non, l'histoire, elle s'est pas passée comme ça. Et ça, quand même, je tiens à le préciser. C'est pas genre, elle m'a insulté, lui, j'ai débloqué, puis après, je me suis mis avec lui comme si de rien n'était. Non. Et vient un soir où je sors à Marbella. Et là, je souris, mais c'est pas drôle. Mais là, il a la table en face. Il a la table en face, c'est horrible. Et combien de personnes, elles ont déjà vécu mon histoire? Genre, horrible, je le vois, il est là, genre, trop dur. Trop dur, mais à la fois, quand je le vois, genre, ça me fait un truc, mais je sais pas comment vous dire. Vous voyez, quand vous vous forcez à être dans le déni, à plus penser à une personne, à sortir pour l'oublier, à vous occuper l'esprit, et en fait, quand elle est en face de vous, vous vous rendez compte que vous l'aimez. Voilà, j'étais face à un homme qui m'a blessée, qui m'a humiliée, qui m'a menti. Et malgré ça, malgré tout le mal qu'il m'avait fait, je me disais, mais comment je peux aimer cet homme? Il est venu me voir. Ce soir-là, ça a été hyper compliqué entre nous parce que moi, j'avais énormément de rancœur envers lui. Il faut savoir qu'on ne s'est jamais expliqué. C'est-à-dire que je lui ai jamais dit pourquoi, comment. Je sais pas comment vous dire, mais la seule fois où en fait j'avais parlé avec lui, c'était quand je l'avais débloqué pour lui demander de calmer sa femme à ce moment-là. Il m'explique un tas de choses. Il m'explique qu'il n'est plus avec elle, que de toute façon ça s'est terminé, qu'il a essayé mais qu'il n'y arrive plus. Moi, je ne l'ai jamais incité à quitter qui que ce soit. On ne force pas les gens à être avec nous ou à quitter une personne. Voilà, l'histoire, elle s'est passée comme telle. Et moi, mot pour mot, je lui ai dit, écoute, de toute façon, je ne serai jamais ta maîtresse. Il m'a dit mot pour mot, si je reviens vers toi, c'est que je ne suis plus avec elle. Donc, je ne vous cache pas que moi, j'ai eu beaucoup de doute sur sa sincérité, sur ce qu'il me disait. Mais je l'ai cru et pour vérifier ce qu'il me disait, je me suis dit, bah, si c'est vrai ce qu'il dit, eh ben, je vais commencer à l'afficher petit à petit. Parce que s'il y a réellement sa femme ou s'il est encore avec, etc., et que sachant qu'elle savait l'histoire quelques mois plus tôt, c'est sûr qu'elle devait continuer à regarder mes vidéos, etc., forcément, elle allait réappliquer ou me dire un truc. Quand je lis sur les réseaux sociaux, Mila, elle postait des vidéos pour narguer. Alors non, je ne narguais pas. Je suis pas une bâtarde, moi, à mettre des trucs pour faire mal à quelqu'un, pour une influenceuse. Et franchement, je poste quasiment rien de lui, à part peut-être ses pieds. Donc si j'avais réellement voulu narguer quelqu'un, je pense pas que c'est ses pieds que je montrerais. À ce moment-là, j'ai montré que j'étais en couple et je l'ai snappé, tout simplement pour m'assurer que ce qu'il me disait, c'était vrai. Des enfants ensemble, donc forcément, ils devaient continuer à s'envoyer des messages pour se mettre d'accord du pourquoi, du comment, etc. Et puis on sait tous que après une rupture, je veux dire, on coupe pas les ponts comme ça du jour au lendemain, surtout quand ça fait longtemps qu'on est avec une personne. Et sur ça, je lui ai jamais rien dit. Mon snap, de par des messages que j'ai vus, de par des actions qu'il a faites, bref, j'ai compris que réellement, il ne me mentait plus, il était célibataire. Devenir là où je voulais vraiment en venir, je vais répondre vraiment à toutes les questions que j'ai pu voir sur internet que les gens se posent. Quand est-ce que je l'ai rencontré? En janvier. C'est-à-dire que quand j'ai débarqué à Dubaï, peut-être une semaine ou 10 jours après, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, on s'est mis en couple. D'ailleurs, Ilan savait que je fréquentais quelqu'un, mais je n'ai fréquenté qu'une personne. C'est-à-dire que je le menais un peu en bateau, je disais oui, je vais au resto, je vais voir ci, je vais voir ça, mais j'ai fréquenté que lui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais comment? S'ils étaient ensemble depuis janvier, ça veut dire qu'en avril, quand elle était avec Anthony Alcaraz, elle nous a pris pour des cons. » 3 jours avant le tournage, lui et moi, on s'est séparés. On s'est disputés très fortement parce que c'est pas le genre de personne qui comprenait mon métier, mes aventures, etc. Et pour lui, c'était inconcevable que je parte en tournage. Même si lui, à côté de ça, était marié, je le savais pas, mais vous savez, le culot des hommes. À ce moment-là, j'étais célibataire, je me suis mise en couple avec Anthony Alcaraz. Sauf que je vais être honnête avec vous. J'arrêtais pas de penser à l'autre. Il me manquait. Et carrément, j'avais qu'une seule hâte, c'est de pouvoir le retrouver à l'extérieur. Maintenant, j'ai confié aussi des choses à Anto.
où je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un à Dubaï, que j'étais fortement attachée à lui, que là on n'était plus ensemble et que bah, c'était compliqué pour moi. Voilà, c'est des choses que vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est des conversations qui ont été dites. Et quand je suis rentrée à Dubaï, j'ai vu Anto et on a eu une discussion et je lui ai dit voilà, ben on va s'arrêter là parce que je vais me remettre avec la personne avec qui j'étais. Vous allez me dire, mais Mila, c'est pas possible. Alors tu devais savoir qu'il était marié, puisque Greg te l'a sorti, puisque des blogueurs l'avaient sorti, puisque Félicia te l'avait sorti. J'ai réellement su qu'il était marié le 28 mai. C'est-à-dire que février, mars, avril, début mai, je ne savais rien. Quand je vous dis que je savais rien, tout simplement pourquoi? Quand moi je l'ai confronté face à ça, en lui disant mais je comprends pas, t'es encore mariée, etc. Mais que de mon côté, je vois aucune femme, aucune affaire de femme, le mec il dort avec moi tous les soirs. Même moi je me dis ouais c'est peut-être des gens qui racontent de la merde, ou peut-être que les gens ils savent pas sa vie mais que finalement il est divorcé et tout. Quand la personne vous prouve et vous dit qu'elle est divorcée, qu'elle est célibataire. Même si on essaye de vous prévenir, mais que entre-temps, moi je suis un personnage public et que des Lorenzo, il n'y en a pas 150. Les gens qui me disent non mais Mila, tu savais, les blogueurs ils l'ont dit, certains candidats l'ont dit. Oui, c'est vrai, et oui, ça m'a mis un doute, et oui, je lui ai demandé des explications. Mais dès lors où, entre-temps, comme je vous ai dit, il n'y a pas 150 Lorenzo, que moi, il n'y a personne qui vient m'écrire sur mes réseaux sociaux, ou même par l'intermédiaire d'une amie, ou je sais pas, soi-disant les blogueurs, il n'y a personne qui vient pour me dire bonjour, je suis la femme d'eux. Donc même si le mec, je le confronte, même si je lui demande des explications, si au final je vois aucune preuve et qu'il n'y a jamais de nana qui vient, bah pour moi, il est célibataire. Là, ça peut répondre à vos questions. En avril, lui et moi, on s'est séparés. Quand les blogueurs, quand les candidats disaient ceci, cela, non, j'étais pas au courant. J'ai réellement été au courant fin mai, le jour où elle m'a contactée. Quand elle m'a contactée, lui et moi, on s'est séparés. C'est-à-dire que c'est pas genre elle m'a contactée, puis je me suis dit, ouais, bon, c'est pas grave. Non. Non, c'était grave. Moi, j'ai décidé de le pardonner et en réalité, ça regarde que moi et ça n'engage que moi. Mais on ne peut pas me tenir moi pour responsable ou pour fautive dès lors où quand je sors avec quelqu'un que je le sais pas, que quand je le sais, je le quitte et que ensuite quand on se retrouve, il est officiellement célibataire. On ne peut pas dire que moi je suis fautive ou que moi je brise un couple. Maintenant que c'est pu lui faire du mal à elle, je peux le concevoir à 1000%. Pourquoi? Parce que même si j'ai pas d'enfant, j'ai été dans sa position. Quand Mujdat et moi, ça s'est fini, alors que c'était encore mon fiancé, 3 semaines plus tard qu'il est parti dans les Princes et qu'ensuite il s'affichait partout sur les réseaux sociaux avec une fille que j'avais l'impression qu'elle essayait de me piquer, Félicia, qui me ressemblait, qui faisait les mêmes trucs que moi, franchement, j'ai souffert. Dans le mensonge, dans la double vie de Mujdat, et j'ai souffert de ma rupture. Donc c'est un truc que j'aurais jamais souhaité à une autre femme. Quand j'entends des gens tout mélanger et dire oui, Mila, elle nargue l'ex-femme comme elle narguait Félicia. Mais à quel moment j'ai nargué Félicia? C'est Félicia qui était en couple avec mon ex-fiancé de 3 semaines. Comment j'aurais pu la narguer? Avec quoi? Mes cheveux rouges? Enfin, je comprends pas. J'ai jamais pu la narguer. Où j'ai pris mes réseaux sociaux, où ça a commencé à se tacler, c'est quand Mujdat a ouvert les hostilités en disant que je ressemblais à son orteil. Sinon, de moi-même, j'ai jamais piqué ou nargué qui que ce soit. C'est à partir de là où ça a commencé, genre à partir en couille. Et pourtant, j'ai été blessée, et pourtant, j'étais dans une situation que je souhaite à aucune femme. Bon, bref, ça, c'est une histoire à la limite qui n'a rien à voir, mais au moins, les choses, elles sont dites, elles sont claires. Maintenant, je suis capable de reconnaître mes torts sur certaines choses. Moi, j'ai jamais voulu faire du mal à son ex ou même à qui que ce soit. Je suis pas la méchante, je suis pas la manipulatrice que certaines personnes essayent de dire. Je suis une femme avant tout et j'ai un cœur et je sais ce que ça fait de souffrir ou même dans cette situation. C'est pour ça que je jouerai jamais, jamais, je narguerai jamais. Il n'y a pas de compétition, en fait, il n'y a pas de compétition. Et mon compagnon actuel, c'est pas un trophée de qui est-ce qui l'a gagné ou quoi que ce soit. Je sais que j'aurais voulu que la situation, elle soit différente. Quand elle est mal, je le comprends. Qu'elle cherche un fautif ou un coupable pour apaiser son cœur, je comprends. Mais moi, on ne peut pas venir s'acharner sur moi matin, midi, soir pour me faire porter le chapeau. Et elle ne peut pas, lui, l'empêcher aujourd'hui de voir ses enfants pour lui faire payer son comportement. Parce que il a peut-être été un mauvais mari, mais elle ne peut pas le priver de ses enfants.
ne retiens pas un homme avec des enfants, sinon ça se saurait. En fait, les enfants, ils sont au milieu de tout ça, alors qu'ils n'ont rien à voir. Et elle peut être en colère contre lui, etc. Mais je veux dire, ce n'est pas les enfants qui ont à payer de ça. Parce que c'est pas normal qu'ils souffrent de l'absence de leur père, sachant que lui, il veut être présent. Vous savez, tous les jours, il y a des gens qui se séparent. Tous les jours, il y a des gens qui divorcent. Et c'est pas moi qui ai inventé le divorce. Et c'est pas parce que Lorenzo, aujourd'hui, il est plus auprès de son ex qu'il doit être privé de ses enfants. On peut pas le priver, lui, de cet amour qu'il a envie de donner à ses enfants et ses enfants qu'il devrait lui donner. Pas la manipulatrice que son ex dépeint. Même si j'ai conscience qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, et que tout n'a pas été fait correctement, et c'est pour ça que chacun a sa part de responsabilité, mais c'est pas moi qui étais mariée avec elle. Je n'ai jamais voulu rentrer ni en guerre, ni dans la provocation, ni quoi que ce soit avec elle, parce que je pense qu'on a suffisamment souffert. Truc sur lequel j'aurais pas dû réagir, et sur ça, je reconnais mes torts. La fameuse phrase où je dis, bah moi pendant ce temps-là, je fais tchoukou tchoukou. Maintenant, je suis pas fière de moi, mais il y a un moment donné où quand on m'insulte du soir au matin, quand on fait des posts contre moi, quand on dit des trucs de fou sur moi, je reste humaine. Je reste humaine et surtout qu'à la base, moi je suis dans mon coin, je suis pas là pour piquer, je suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais il faut pas non plus venir m'insulter. Aujourd'hui, son ex, elle a refait sa vie et elle a le droit. Et moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais moi aussi, je pense que j'ai le droit aujourd'hui d'être heureuse. Je ne sais pas le statut de sa relation, je sais juste qu'elle fréquente quelqu'un, mais tout ça pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui, j'ai assez souffert dans ma vie. Tous ceux ou celles qui pensent que parce qu'il a fait ça, il me refera pareil, etc. Peut-être que vous avez raison. Et peut-être que je fonce droit dans un mur. Ou peut-être pas. Et dans la vie, quand il y a le bénéfice du doute, il faut laisser le bénéfice du doute aux gens. Et moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse. Et lui aussi. C'est pas parce que demain, t'aimes plus une personne ou que t'as mal fait les choses que tu peux pas réparer le mal. Je laisse vous faire vos propres opinions et je vais retourner à mes placements de produits. Et il y a une dernière chose sur laquelle je voulais rebondir et j'ai vraiment pas l'habitude de parler d'argent sur mes réseaux sociaux, genre jamais même. Je vois beaucoup de gens écrire, oui, c'est un mujdat numéro 2, attention, etc. Et je vous en veux pas de penser comme ça. Au contraire, je pense que vous êtes bienveillant et que vous voulez pas que je me fasse avoir une deuxième fois. Mais les réseaux, etc., tout ça, c'est vraiment pas son milieu. Sinon, il aurait pris la parole. Je pense que ça aurait été tellement plus simple s'il avait pu s'exprimer lui-même. Alors oui, je sais que dans le passé, Mujdat m'a dit aussi que les réseaux sociaux, c'était pas pour lui, etc. Mais là, je vous cache pas que j'aurais bien aimé qu'il donne sa version. Il est d'accord avec tout ce que j'ai posté. On vit ensemble. On en a discuté avant. Donc, il n'y a pas de je poste à son insu, etc. Quand je filme son pied, quand je filme ses mains, quand je filme sa voix. Moi, je ne le snap pas à son insu. Et je respecte le fait qu'il ait tout simplement pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Et quand je vous parlais d'argent, alors oui, je gagne bien ma vie grâce à Dieu. Voilà, je me paye des choses, etc. Mais je vois plein de commentaires. Oui, Mila, c'est la poule aux œufs d'or, je sais pas quoi, il a michetonne. Sachez qu'il paye tout. J'avais même pas envie de rentrer dans les détails. Alors il y a des choses que j'achète, que je lui offre, mais il paye tout. Donc, si cet homme me michetonnait, bah, j'aimerais bien savoir de quelle façon.